Alors, le plus souvent, on aborde la génération X sous l'angle économique, sous l'angle du déclassement social, la précarité, le no future, on pourrait dire sous l'angle matériel. Et c'est vrai que, et ça, je pense que Stéphane Kelly l'aborde bien dans son livre, c'est vrai que sur ce plan-là, notre génération a vraiment frappé un mur. La crise des années 80-90, la montée des emplois, ce qu'on appelait à partir de là les emplois atypiques, mais qui sont en train de devenir les emplois typiques, les emplois à temps partiel, les contrats, tout le phénomène aussi des clauses orphelins, les clauses à disparité salariale que vous connaissez sûrement. Par rapport aux boomers, l'insertion professionnelle des X a été évidemment plus difficile. Mais, et c'est là, ça explique un peu le thème qu'on a choisi, le thème donc de la vie intime, le thème... En même temps, on n'est pas les premiers, notre génération, les X ne sont pas les premiers à avoir vécu de telles difficultés matérielles. Avoir, par exemple, 25 ans en 1932 et vivre à Montréal, c'était pas évident. On n'est pas la première génération qui a été confrontée à cette période de crise disons, d'austérité, à ce déclassement social. Par contre, ce qui est particulier, et d'où le choix du thème, ce qui est peut-être particulier, ce qui est peut-être unique, ce sont les mutations culturelles que nous avons vécues. Je dis nous, on est tous des X autour de la table, c'est un choix, ça a été délibéré, je vous l'expliquerai. Plus unique, ce sont ces mutations culturelles, génération des familles recomposées, génération des couples pas mal plus éphémères que ceux de nos parents, génération d'un amour aussi, d'une quête amoureuse, plus authentique peut-être, moins soumise aux contraintes de la société, génération du divorce. Alors ces mutations culturelles ont eu évidemment d'énormes effets sur notre vie personnelle. Et c'est probablement là la grande originalité du livre de Stéphane Kelly que d'aborder la question des valeurs dans son livre. Il aborde clairement les valeurs qui sont véhiculées par plusieurs membres de la génération X dans la culture populaire. C'est des chansonniers, il donne l'exemple de plusieurs films qui ont été réalisés par la génération X. Situe toutes ces transformations, ces mutations dans leur contexte, un contexte de perte de repères. Alors avant, ce que je vous propose comme formule, c'est que dans un premier temps, je vais passer la parole à Stéphane, et ensuite on aura un commentaire sur le livre de Stéphane Kelly, dans l'ordre avec Jean Barbe, Pascal Navarro et Joseph Facal, que je vous présenterai au fur et à mesure. Alors, avant de céder la parole à Stéphane Kelly, qui est sociologue, qui est professeur au cégep de Saint-Jérôme, j'ai envie de lui poser la question, pour ouvrir peut-être son exposé, la question de la fameuse citation en exergue. Les citations en exergue, c'est jamais là de façon innocente dans un livre, ça a été longuement mûri. Et la citation en exergue du livre de Stéphane Kelly est assez intéressante et assez mystérieuse. J'aimerais qu'il s'en explique et ensuite, qui nous présente son livre. Et la citation en exergue qui est écrite en latin se traduit ainsi: « La destinée conduit ceux qui l'acceptent et traîne ceux qui la refusent. » Alors, pourquoi cette citation? S'en souvient plus. S'en souvient plus. D'abord, c'est un clin d'œil. C'est une citation qui m'a été fournie par ma conjointe, Mélissa Anctil, et le livre lui est dédié. Et il y a une certaine vérité, je pense, dans cette formule, en tout cas en ce qui a trait à la génération X, parce que beaucoup de X ont, pendant très longtemps, lutté contre des choses qu'on pouvait pas vaincre. Et puis, un jour, beaucoup de X, dans leur espèce de traversée du désert, lutte pour la survie, on finit par comprendre que ce qu'on peut réaliser dans la vie, le genre de vie qu'on peut se donner, le destin qu'on peut assumer, n'est pas le même que celui des générations qui nous ont précédés. Alors, je pense que c'est l'une des conclusions du livre.
Beaucoup de X ont voulu ressembler aux boomers, ont voulu avoir le style des boomers, le même genre de vie qu'eux, alors que ce n'était pas possible. Et finalement, beaucoup de X vont finir par le comprendre un jour. Et je pense que dans le livre, j'ai donné quelques pistes là, pour comprendre cette idée-là. Alors, mon intervention d'une dizaine de minutes va se faire en deux volets. Je vais résumer rapidement la thèse de mon livre. Et ensuite, je vais parler plus de la question plus précise des mutations au niveau de la vie intime. Alors, l'idée du mur, c'est comporte deux facettes. La première facette, c'est les difficultés d'insertion professionnelle qui ont été évidemment celles des X. Et puis évidemment, j'aurais pas écrit ce livre-là pour développer ça parce que d'autres auteurs l'ont fait avant moi. Alors, en faisant cette enquête sur la génération X, j'ai réalisé qu'il y avait une seconde facette plus intéressante encore. C'est tout ce qui touche la vie intime. Alors, beaucoup de X vont frapper un mur au début de l'âge adulte parce qu'ils arrivent à l'âge adulte dans une société où les repères anciens ont éclaté, où les normes anciennes ont éclaté. Alors, le programme de la révolution culturelle s'est en partie réalisé avec la révolution féministe, la révolution sexuelle, et ces révolutions ont porté des effets positifs indéniables que les X ont apprécié et goûté. Par contre, beaucoup de X, durant cette volonté de s'installer dans la vie, ont fait face à des épreuves, des difficultés, et ont eu de la difficulté à trouver des repères pour trouver un certain sens à leur vie. Parce que beaucoup, évidemment, n'ont pas réussi à se faire une place au soleil, à s'installer dans la vie avant la trentaine. En particulier pour ceux qui ont pris le chemin de l'université. L'installation dans la vie, les sociologues définissent ça de la façon suivante. C'est obtenir un diplôme, se trouver un emploi qui est, disons, à temps plein, accès à la propriété, s'installer avec l'être cher, puis peut-être avoir un enfant. Alors, pour les générations précédentes, ça s'est fait de façon beaucoup plus rapide que pour les X. Et ça, évidemment, ça va avoir des conséquences importantes sur la vie intime, parce que tant qu'on n'est pas installé, on ne peut pas trouver un minimum de sécurité sur le plan de la vie conjugale et de la vie familiale. Alors, les X arrivent à l'âge adulte, puis ils constatent qu'il y a un écart très important. Il y a un fossé entre les discours qui ont été tenus dans la société par les professeurs, les médias, les leaders d'opinion sur ce que le Québec était appelé à devenir et la réalité effective des années 80 pour la jeunesse de l'époque, génération de chômeurs diplômés. Alors, la première secousse, là, c'est l'écart très grand entre les discours jovialistes tenus des années 70 et la réalité beaucoup plus sombre qui attendait les X dans les années 80. Puis là, évidemment, il y a vraiment il y a l'expérience du mur qui est vécue sur le plan professionnel, mais aussi éventuellement sur le plan de la vie intime. Parce qu'on n'a aucune sécurité professionnelle, c'est difficile d'établir un foyer sur des bases solides. D'autant plus que les repères anciens ont disparu. Alors, je vais décrire dans le livre la lutte pour la survie. Lutte pour la survie financière, évidemment, mais lutte pour la survie sur le plan psychique. La société québécoise des années 80, c'est une société qui est déboussolée. Le taux de suicide augmente à des niveaux effarants. Le chômage, évidemment, c'est la montée des divorces, beaucoup de naissances hors mariage. On peut dire que c'est pas très grave, mais on a l'un des taux de naissances hors mariage les plus élevés en Occident. Alors, on peut quand même se questionner par rapport à ça. La lutte pour la survie, finalement, de beaucoup de X, finit par confirmer les X dans l'idée qu'ils vont être une génération de déclassés. Ça veut dire quoi, être un déclassé en sociologie? Ça veut dire que lorsqu'on va arriver à l'âge de 60 ans, 70 ans,
on va faire le bilan que finalement, on va avoir eu une vie probablement moins prospère que ses parents. OK? Alors, la génération X, c'est une première génération de déclassés après des années de progrès social. Et évidemment, les X ne seront pas la seule génération de déclassés. Probablement que les cohortes qui vont suivre les X vont avoir un statut déclassé. Bon, il reste qu'il vaut mieux naître au Québec qu'en Afrique. Alors ça, je conviens très bien de ça, mais je pense que ça vaut la peine d'être dit. Et dans ce constat que finalement les bases de la vie intime sont assez fragiles, les X vont se retirer au foyer. Alors les X vont très peu s'engager dans la vie civique, dans l'engagement social, dans la vie politique. Alors c'est une génération qui est fortement dépolitisée. Alors la vie d'un X, là, une fois que la journée de travail elle est terminée, c'est de revenir au foyer, puis c'est évidemment de trouver certains plaisirs au niveau de la vie intime. Ça a des répercussions évidemment sur l'ensemble de la société québécoise, parce que sur le plan de la relève politique, ça prend du temps avant que se manifestent des gens qui vont remplacer les politiciens boomers. Je vais aborder le deuxième volet pour vous parler de la dimension, disons, plus précise qui touche à la vie intime. J'ai développé deux, trois catégorisations dans le livre que je veux souligner. Il y a deux catégories de X. Il y a une première catégorie de X qui sont des gens qui ont eu des parents qui sont nés dans les années 20, les années 30. Donc ce sont des parents pré-boomers et ces X-là vont recevoir une éducation, disons, plus autoritaire. Il y a un deuxième groupe de X, ceux qui naissent plus à la fin des années 60, début des années 70. Alors, ces X-là, eux, vont avoir des parents boomers. Ce sont des X qui vont être beaucoup plus façonnés par les valeurs de la révolution culturelle et par, évidemment, l'espèce d'impulsion égalitariste et démocratique des boomers qui, évidemment, cherchent à réinventer le monde. Alors ça, il y a une première catégorisation qu'on peut établir entre des X qui ont été élevés dans un contexte plus traditionnel et d'autres qui ont eu des parents boomers où on a été plus évidemment sympathiques au culte du mouvement et de la réforme. Il y a aussi une autre catégorisation que je propose entre les X qui sont des tôt installés et des X qui sont des tard installés. Alors moi, par exemple, j'ai fréquenté une école publique dans les années 70, et quand je revois mes amis, ils sont nés une douzaine autour de la table, mais il y en a un groupe, ce sont des gens qui ont quitté l'école en secondaire 5, ils se sont mis en couple à 22-23 ans, ils ont commencé à travailler, ils se sont achetés une maison, puis aujourd'hui, ce sont des gens qui, ça fait au moins 20 ans qu'ils travaillent, sont proches de la retraite, ils ont des difficultés à payer leur maison, mais quand même, ils ont eu une installation dans la vie assez conventionnelle, bien qu'elle s'est faite de façon beaucoup plus lente que, par exemple, pour les boomers. Le second groupe, ce sont ceux qui vont décider d'aller à l'université dans les années 80, puis eux, ils le savent pas, mais en empruntant cette voie, ça va reporter l'installation dans la vie de plusieurs années, parfois même 10, parce qu'ils vont devenir beaucoup des chômeurs diplômés et qui vont aller de contrat en contrat, de job-in en job-in. Et eux, sur le plan de la vie intime, ils vont avoir un profil très différent. Alors, les taux installés, eux, sur le plan de la vie familiale, leur profil, ça ressemble un petit peu plus aux générations précédentes. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont encore aujourd'hui avec la femme qu'ils ont épousée à 22, 23 ans. Ils ont eu 2, 3, 4 enfants. Et puis, disons qu'ils ont eu un mode d'installation assez conventionnel. Les tard installés, par contre, eux, ils vont s'installer sérieusement plus à l'âge de 35 ans. Ils ont eu 3, 4, 5 blondes, parfois 2, 3 divorces. Ils sont en famille recomposée. Alors, ils ont un profil beaucoup plus... C'est décourageant.
C'est ben, moi. C'est une description. Ah, c'est très bien. Ben, je ne veux pas présenter ça comme une façon décourageante. Je veux quand même souligner le fait que ceux qui se sont installés tôt dans la vie, ils ont tendance à envier ceux qui sont allés à l'université parce qu'ils ont eu du fun, ceux qui sont allés à l'université. Ils ont eu plusieurs blondes et puis ils ont voyagé. Tandis que ceux qui sont des tards installés, ben eux, bon, ils admettent qu'ils ont eu peut-être du fun dans la vie, ils ont expérimenté plein de choses, mais ils n'ont pas eu, ils n'ont pas connu la stabilité, la sécurité de ceux qui ont quitté l'école en secondaire 5 puis qui ont eu une certaine tranquillité d'esprit plus proche des générations précédentes. Alors, les uns envient les autres. Alors, finalement, qu'on soit des taux installés ou des tards installés, les deux groupes manifestent certains regrets par rapport à la trajectoire qui a été empruntée. Et il y a une dernière catégorisation que j'ai proposée qui touche un peu à la vie intime. C'est deux créatures, disons, un plus fantaisiste que j'ai inventé au milieu du livre. Monsieur Bovary, d'un côté, et de l'autre, Madame Donjuan. Alors, Monsieur Bovary, c'est vraiment l'homme qui a décidé vraiment d'évoluer, d'accepter les acquis les plus avancés, évidemment, du mouvement féministe, de la révolution sexuelle. C'est un peu la figure de l'homme rose, peut-être, dans les années 80. On parle moins de l'homme rose aujourd'hui. Mais c'est un homme qui laisse beaucoup plus, s'abandonne beaucoup plus à la sentimentalité, qui rêve d'un amour parfait, d'un amour qui est complet, qui rêve d'une vie de couple qui est complètement riche. Alors, c'est un homme nouveau qui a vraiment qui a essayé de s'imprégner du féminin. Madame Donjuan, bien évidemment, c'est une figure de femme qui est beaucoup influencée par, évidemment, l'espèce de compétition, de rivalité qui est beaucoup encouragée dans la société contemporaine avec le narcissisme, par exemple, l'espèce de discours dans la société qui cherche à influencer, évidemment, les femmes puis à les amener vers un modèle de séduction permanent. Alors, le modèle de Madame Donjuan, c'est une créature qui est forgée par, évidemment, l'ère du temps où on demande, évidemment, aux hommes et aux femmes d'être dans un état de séduction permanente parce que, de toute façon, les couples sont, de toute façon, éphémères. Et ce que je souligne dans le livre, c'est qu'évidemment, les hommes et les femmes se sont engagés dans cette trajectoire-là. On doit rester jeune, beau, mariable et remariable jusqu'à la fin de la vie. Mais c'est encore plus pernicieux pour les femmes parce que la société fait en sorte que cette espèce de destin-là est encore plus implacable pour le sexe féminin. Je vais conclure. Parfait, Stéphane. De toute façon, il y aura un commentaire sur le livre et pas nécessairement un commentaire toujours complaisant pour faire acheter le livre, là, mais un commentaire critique parfois, peut-être, on le verra. Et des échanges par la suite, des questions à Stéphane. On passe ensuite à celui qui trépignait le plus, là, ouais, mais à ma gauche. Je me donne, là. Oui, oui, justement, Jean Barbe, même s'il ne l'a jamais souhaité probablement, mais a longtemps été une sorte de porte-parole, je dirais presque improvisée, de la génération X, comme rédacteur en chef de l'hebdomadaire culturel Voir, à ses tout débuts, ensuite à Ici. Il est aussi l'auteur d'un livre que, en tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé, d'un personnage qui est un peu emblématique de la génération X, un livre autour de Dédé Fortin, le chanteur des colocs. Qui est un livre très touchant, très personnel, un destin évidemment tragique de la génération X, mais intéressant. Éditeur chez Loméac et surtout écrivain. Comment devenir un monstre, prix des libraires du Québec, et Comment devenir un ange et plusieurs autres livres. À toi la parole. Merci, Éric. J'ai commencé en disant que j'ai beaucoup aimé et détesté le livre de Stéphane Kelly.
parce qu'il est bon. Et que pendant toute ma vie adulte, malheureusement, ça semble-t-il un trait de caractère de ma génération, j'ai refusé qu'on m'identifie à une génération. J'ai détesté le terme « génération X » quand il est apparu. J'étais déjà à l'époque journaliste culturel. Et quand le livre de Douglas Coplin est apparu, « Generation X », ça m'énervait qu'on mette dans une canne des gens dont les trajectoires étaient si différentes. Donc, malheureusement, à bientôt 50 ans, enfin 49 ans, j'ai lu le livre de Stéphane Kelly, j'ai fait « Vierge, c'est moi ». C'est un petit peu tard pour réaliser qu'on n'échappe pas à sa génération, mais la phrase en exergue dit exactement ça. Malgré tout, malgré ma grande volonté de m'inventer moi-même dans un monde qui était en mouvement et qui ne ressemblait plus à celui qui m'avait été promis, j'ai voulu m'inventer, mais malgré tout, j'appartiens à ma culture, à mon époque. J'appartiens à ce monde qui m'a vu naître et qui m'a formé. J'ai envie de dire quelques commentaires, mais surtout de faire le même exercice que Stéphane Kelly a fait dans son livre, c'est-à-dire de raconter une tranche de ma vie, celle qui est probablement la plus fondamentale, celle qui a vu le changement de civilisation, le changement de paradigme important entre le monde des baby-boomers et celui qui est venu après, entre une société humaniste rêvant encore, polarisée sur certaines questions, et celui qui est apparu au début des années 80 dans cette espèce de déterminisme économique implacable, la réalité du capitalisme vainqueur, ce sont les années Reagan, Thatcher. Moi, c'est là-dedans que je suis devenu adulte, mais je vais commencer un petit peu avant. Dans les années 70, je suis allé à l'école publique aussi. J'avais les cheveux longs, j'étais vaguement hippie. Nous étions garçons et filles, copains comme cochons. Le sida n'existait pas. On rêvait à la société des loisirs qui nous était promis. Nous étions convaincus, puisqu'en 69, les êtres humains étaient allés sur la Lune, nous étions convaincus que de notre vivant, nous allions voir une colonie sur la Lune. L'avenir était porteur de promesses, était largement ouvert et j'avais envie, comme bien d'autres, de m'y précipiter, les bras grands ouverts. En 1980, au mois de mai, il y a eu un référendum, vous vous en souvenez peut-être. Moi, j'avais à quelques mois près pas l'âge de voter, mais j'ai posé des pancartes parce que ça faisait partie dans cette mouvance-là qui allait vers l'avenir, qui allait vers un monde meilleur. Ça faisait partie de la chose qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'on réclame pleinement notre vie, notre identité, notre capacité à influencer notre destin. Évidemment, le référendum a connu un non comme réponse à sa question. Je suis rentré au Cégep en 1980. Il y avait encore, à ce moment-là, 4 mois après le référendum, des communistes, des féministes de choc, des féministes lesbiennes, des grandes tentatives de changer le monde, des occupations de locaux, encore le mouvement des années 70 était encore perceptible. Je me suis retrouvé en 1980, frais, délégué général, délégué de la région de Montréal pour le Conseil central de l'ANEC, l'Association nationale des étudiants du Québec, fomentant la révolution d'Assemblée générale en Assemblée générale, débrayant sans cesse. C'était très, très chouette, mais je ne savais pas que c'était la dernière fois que ça allait se produire. Je suis allé l'été 81 travailler pour gagner des sous, pour me payer des jeans, des trucs comme ça, et en 81, à l'automne suivant, au cégep où j'allais, tous les communistes étaient partis, toutes les féministes s'étaient tues et l'association étudiante s'était fait élire sur la promesse d'un beach party dans l'Agora. Changement de paradigme. Changement radical de paradigme. Comme lundi, exactement. Mais c'est intéressant parce que je ne pensais pas en connaître un autre de mon vivant. Et donc... surpris, évidemment, les cheveux encore longs, vaguement hippie, je me trouvais le plus vieux dépositaire de cette tradition des années 70 au cégep alors que j'avais 19 ans. Et là, c'est moi qui dirigeais les assemblées générales
trichant avec le code Morin, parce que je l'avais pas lu, mais je faisais semblant de le savoir. Les autres savaient même pas que ça existait. Alors, je me suis retrouvé à 19 ans, un ancien dépositaire des valeurs des années 70. J'ai fait mon cégep, j'ai fait un peu d'université en études littéraires. J'ai pas aimé ça. Mais je voulais écrire dans la vie. Donc, on a fondé Voir en 86. Mais surtout, ce qui est important, c'est que moi, je pensais que ça allait passer cette mode-là des beach parties dans l'Agora. Et j'ai vu que ça s'installait. Et très tôt, au début de la vingtaine, j'étais convaincu que j'étais un passeur. Qu'il n'y a pas à voir de mon vivant, de cette révolution ou ce monde meilleur auquel je rêvais quand j'étais adolescent, mais qu'il était de mon devoir, dans un certain sens, de conserver au secret quelques valeurs humanistes, quelques rêves, quelques utopies pour les passer aux générations suivantes quand le terrain serait à nouveau fertile, ce qui arrivera peut-être bientôt. Pendant des années et des années, je me suis réfugié dans l'art, dans la littérature, dans le journalisme culturel, bien sûr, mais parce que je pensais que l'art était le coffre-fort secret, connu de peu, où on pouvait mettre en sécurité ces valeurs qui vont peut-être à nouveau être nécessaires pour notre développement. Est-ce que je me suis senti dépossédé pendant toutes ces années? J'ai pas de REER, j'ai pas de maison, j'ai rien. Je me suis jamais senti dépossédé parce que je n'ai jamais abandonné cette idée que nous n'étions pas là, que nous étions là pour autre chose que la sécurité. Est-ce que l'installation pour moi, je l'ai faite en retard? Non, je me suis jamais installé. Parce que je suis convaincu encore que l'installation, contrairement à la notion qui est fondamentale dans le livre de Stephen Kelly, la notion d'installation pour lui est une évidence, pour moi elle ne l'est toujours pas. Elle ne le sera jamais. Par contre, je dois reconnaître que l'ennemi a été trop fort pendant une grande partie de ma vie, mais ça ne m'a jamais empêché de tenter, pendant toutes ces années, d'élever la voix pour raconter quelque chose qui n'avait plus cours, pour dire encore et à nouveau qu'il y a d'autres manières d'imaginer le monde. Est-ce que ça a été difficile? Bien sûr. Est-ce que j'ai raté ma vie? Il m'arrive parfois de le penser. Parfois. Mais au fond, je regarde mon parcours des 25-30 dernières années, je me suis dit, j'ai eu une audience, j'ai eu la chance immense de pouvoir dire ces choses-là publiquement. Je suis ici ce soir à cause de ça. Et au fond, il y a toujours eu des gens pour y croire. Donc, la génération X, et c'était la grande réussite du livre de Stephen Kelly, n'est pas unanime, elle est variée, mais nous avons traversé tous les mêmes épreuves, nous avons réagi différemment. Un très beau livre que j'ai détesté, adoré. Merci. Merci beaucoup, Jean. Maintenant, l'autre deuxième commentaire sur le livre, celui de Pascal Navarro, journaliste, chroniqueur notamment culturel. Je l'ai rencontré à l'émission de Michel Lacombe, Ouvert le samedi. Essayiste, elle a publié tout récemment « Les femmes en politique changent-elles le monde ?» Elle fait d'ailleurs plusieurs conférences sur ce thème en ce moment. Et elle avait publié, il y a quelques années, un livre que cite Stéphane, qu'il critique même, « Interdit aux femmes, le féminisme et la censure de la pornographie ». Elle avait signé cet ouvrage, cet essai, avec Nathalie Collard. Donc, Pascal, à l'origine de Madame Don Juan? Mon Dieu! En partie? Ben, je sais pas, on va commencer tout de suite, allons dans le vif du sujet, puisque tu me tends la perche. Dans le livre, il y a une phrase qui m'a vraiment estomaquée, mais je comprends aussi qu'on peut la prendre de différentes façons, mais c'est quelque chose comme « Madame Don Juan représente cette femme influencée par la pornographie qui sait ce qu'elle veut et qui l'aura ». Là, je me suis dit « Mon Dieu, toutes ces femmes-là qui savent ce qu'elles veulent sont toutes des amatrices de pornographie ou alors des pauvres dépravées ». Ça m'a un peu choquée dans le sens où c'est pas du tout l'essence du livre qu'on a publié. Je sais pas si tu le vois, Stéphane, que on parlait des femmes pour changer le milieu de la pornographie, puisque malheureusement, il ne disparaîtra pas, hein, étant donné la médiatisation et les nouvelles technologies. On se doutait bien que ça n'allait pas disparaître. Et on s'est dit, pragmatique que nous étions et que je suis restée,
Puisque c'est le cas, allons-y, allons-y voir. Et les féministes que je cite sont mille fois plus subversives que tous les films qu'on peut voir sur les chaînes câblées. Bon, et cela dit, je ne suis pas une consommatrice, je n'aime pas ça et j'aurais bien aimé que ça n'existe pas. Mais ça existe, c'est comme beaucoup de choses, comme les maladies aussi. Donc, alors cette Madame Don Juan, c'est pas une femme, c'est pas un modèle auquel je me suis identifiée, mais je comprends très bien la théâtralisation des personnages. Je trouve que ça, on peut bien comprendre, ça enregistre les deux côtés. Donc, en fait, le passage du masculin chez les femmes et du féminin chez les hommes avec Monsieur Bovary, c'est correct, c'est une belle image. Mais je m'y identifie pas. Et comment dire, par où commencer? C'est vrai que c'est un livre très dense et où il y a beaucoup de pistes. Moi, ce que je dirais, c'est que j'étais très contente de le lire parce que, personnellement, c'est une réflexion que j'ai depuis très longtemps. Je souhaitais, moi aussi, faire un travail sur la génération X, mais je ne savais pas par où commencer. Je trouvais ça très étouffant parce qu'il y a comme une responsabilité, celle de parler au nom de ta génération. D'ailleurs, je trouve que c'est quand même un gros contrat. Et je pense que la sociologie parvient peut-être plus habilement pour poser les cartes et après, effectivement, discuter. Donc, je trouve que c'était nécessaire et c'est très bien. Moi, ce que j'ai pas assez senti dans le livre, mais on peut le faire après, disons qu'il peut y avoir d'autres épisodes, c'est le courage des X. Parce qu'on parle souvent de leur... Jean vient d'en parler, là, cette espèce de regard un peu... disons-le, un peu honteux sur soi-même de ne pas avoir réussi comme les autres à prendre une place qui va être glorieuse, qui va être une grande réussite sociale, faire de l'argent, avoir beaucoup d'enfants parce qu'on les a plus tard, donc on en a moins. En tout cas, les femmes de 40 ans et plus qui n'en ont pas eu, il y en a plein et qui en auraient voulu. Donc, qui ont beaucoup écopé de cette révolution dite sexuelle et féministe. Enfin... Allons pas trop vite. Et donc, voilà, c'est quelque chose quand même qui était important de dire, important de faire. Et je trouve que les X ont eu beaucoup de complexes. Alors que pour moi, ce sont des gens très courageux parce qu'ils ont bâti une vie, jeunes adultes, sur des ruines politiques, sur des ruines sociales, sur des ruines culturelles. Et je vous dirais que quand tu parlais du discours jovialiste, c'est quelque chose aussi qui m'a toujours marqué. Ne nous rappelons que des chansons, juste les chansons. Quand tu les écoutes aujourd'hui, tu te dis, mais ils étaient complètement infantiles d'écrire des choses pareilles. Sauf que ça a bercé notre enfance. Et en plus, je rajouterais, moi, que dans mon cas, j'étais une petite émigrante, puisque mes parents ont émigré en 68. Et ce discours était nécessaire parce que... Quand tu es immigrant, tu veux redémarrer. Tu as besoin d'espoir. Alors, moi, je suis arrivée ici, mais c'était merveilleux. C'était le bonheur. Et évidemment, quand on est jeune adulte, on se rend compte que, bon, c'est pas si beau que ça, c'est pas si rose que ça, c'est pas si facile. Et qu'il faut prendre sa place, non seulement comme adulte, mais aussi comme néo-québécois. Et j'insiste là-dessus parce que ça n'a pas été facile. Parce que dans les années 70, dans les écoles, il y avait peu de néo-québécois. Donc ça, c'est une donnée aussi qui s'ajoute. Alors... Quand je dis courageux, je trouve que c'est important d'insister là-dessus parce qu'ils ont réinventé des modèles, ou en tout cas, ils les réinventent. Et ne serait-ce que dans le domaine familial, on parle des familles recomposées, puis on fait beaucoup de blagues là-dessus, un peu péjoratives parfois, mais ça prend du courage en tabarouette pour vivre dans des familles recomposées, pour endosser ces nouveaux projets qui recommencent sans cesse, pour y croire tout le temps et pour réussir à trouver un peu de bonheur là-dedans. Réussir à mettre des enfants au monde, avoir des enfants et leur faire croire que la vie sera belle. Parce que c'est pas vrai qu'on peut construire sur des ruines et avoir des enfants. Il faut avoir de l'espoir. Il faut être optimiste, il faut être constructif. Puis je pense que la génération X l'est beaucoup plus qu'on ne l'a dit. Et aussi parce que une autre chose, peut-être, oui, on en parle dans le livre, mais... je ne sais pas pourquoi, je trouve que le miroir... Parce qu'il y a eu une accélération de la médiatisation pendant les années 80-90, et le miroir de nous-mêmes était un peu déformant, je dirais peut-être aussi parce qu'on est une première génération à s'être autant vue à la télé, au cinéma.
surtout à la télé, bien sûr. Peut-être qu'il y a là une influence qui... Enfin, je sais pas, je pense à des téléromans comme La vie, qui était extraordinaire, mais qui pour moi est une longue mélancolie qui n'a jamais terminé, qui ne s'est jamais terminée. Tout cet aspect mélancolique a beaucoup marqué les productions culturelles des X, ou qui renvoyaient des images aux X, que c'est-à-dire dire? Qui se termine comme la chanson de Dégénération, avec une grande table entourée d'enfants. Oui, exactement. C'est la dernière scène de La vie, c'est très frappant. Ouais. En effet, mais tu sais, c'est ça aussi la vie, c'est se retrouver autour d'une table, puis avoir du fun, partager entre générations et vouloir imposer ses valeurs, vouloir inspirer les autres à croire en nos valeurs. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que pour moi, c'est une génération beaucoup plus forte qu'on ne le croit et qu'on ne le dit. Et dernier point, je voudrais dire aussi que ce portrait est intéressant parce qu'il nous montre qu'au fond, on est certainement... et c'est pas du tout glorieux ou quoi quand je dis ça, c'est juste que je le remarque, mais je trouve que on est aussi une première génération grâce à nos parents à avoir beaucoup de choix. On a eu beaucoup de choix professionnels, beaucoup de choix d'étudier ou non, étudie ce que tu veux, fais-le parce que t'aimes ça, choisis ton métier par plaisir. Choisir son métier par plaisir, moi mon père a pas eu cette chance, ni ma mère. Donc et choisir son partenaire, choisir sa vie amoureuse, choisir comment on va vivre ces valeurs-là, par goût, par plaisir, par penchant, ça fait beaucoup de choix. Malheureusement, l'éducation n'a pas suivi. Parce que quand on a plus de choix, et plus on a de choix, plus on doit savoir dans quoi on s'embarque. Et toute la question de l'instruction, il faut être plus instruit, il faut être plus éduqué, il faut savoir plus. Plus on a de choix, plus il faut ouvrir les yeux. Mais on n'a pas eu, je trouve, on n'a pas beaucoup mis l'accent sur l'éducation. Et j'ai peut-être pas retrouvé cet aspect-là dans le livre, mais là, je ne pouvais pas tout dire. Je comprends ça. Et puis, bon, dernier point, on reviendra là-dessus aussi. C'est quand même la génération qui a enregistré les changements de valeurs du couple. Et je pense que c'est fondamental pour nous. Ben merci. Tout ça découle tout ce que je viens de vous dire. Merci beaucoup, Pascal. De rien. Notre dernière intervention et ensuite les échanges. Joseph Facal, professeur au HEC, ex-ministre du gouvernement du Québec, auteur, essayiste, chroniqueur aussi, chroniqueur dans les hebdomadaires, dans les quotidiens de Québécois. Et il a publié un essai, c'est un peu l'idée, je pense que... Pour ça qu'on l'a invité aussi, c'est qu'il a publié un essai remarqué, important, « Quelque chose comme un grand peuple ». Ça a été publié l'année dernière, si je ne m'abuse, Joseph. Et dans cet essai, Joseph, tu mets le doigt sur toute la question de l'anomie dans nos sociétés contemporaines. C'est un aspect très important de ton essai. Et dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que les attentes par rapport à la politique sont très élevées. Or, la société se décompose. Est-ce que la politique peut répondre à ces attentes? Mais, enfin, c'est un aspect, et évidemment, c'est important parce que Stéphane parle beaucoup de toute cette question de l'anomie des sociétés, de la société moderne et la société des dernières décennies. D'abord, je suis heureux, Éric, que tu fasses référence à l'anomie. Je m'étais pris une petite note là-dessus, et j'y viens dans un instant. Auparavant, dire que j'ai beaucoup aimé ce livre, beaucoup aimé ce livre. Je l'ai trouvé original, astucieux, subtil, éclairant, drôle parfois, même si c'était une drôlerie grinçante à certains moments. Je l'ai d'autant plus aimé que le livre était un pari audacieux et incertain, puisque Stéphane essayait de dégager ce qu'il appelle la personnalité collective d'un groupe de gens qui, comme le disait tantôt Jean Barbe, sont réfractaires à l'idée même d'être mis dans une petite boîte. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que le livre combine un tas de méthodes. Il y a bien entendu les statistiques, il y a bien entendu les autres livres sur le sujet. Il y a l'étude des produits culturels fabriqués par cette génération. Mais il y a surtout, et personne n'y a fait référence jusqu'à maintenant,
cette curieuse méthode utilisée par l'auteur qui consistait à construire des portraits fictifs de gens qui racontent des trajectoires inventées, mais en même temps très représentatives, et qu'il a bâti, dit-il quelque part, en amalgamant des traits de 3 ou 4 personnes qui existent réellement. J'ai trouvé ça redoutablement efficace comme méthode. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé que cette saisie de notre génération se fasse moins par l'étude des sempiternels comportements politiques, mais bien davantage par l'étude des chansons qu'on a pu aimer, Pink Floyd, Led Zeppelin, Jean Leloup. Effectivement, quand on lit les paroles de ces chansons, on se dit « mais quelle connerie ». Et pourtant, ça nous a profondément, profondément bercés. Tout à fait. Le cinéma, Crazy, film absolument emblématique de ce que nous avons été. Et je trouve que ce choix d'avoir mis un petit peu de côté la question politique est un choix d'autant plus justifié que notre génération a été celle d'un double désenchantement politique. Double. Et l'hypothèse qu'on peut faire, effectivement, c'est que de ce désenchantement politique est né notre basculement dans l'intensité de la vie intime. Ce double désenchantement, c'est d'abord évidemment que, mon cher Jean, il n'y a pas eu un, il y a eu 2 référendums. Et les chiffres sont clairs. Les X francophones, nous avons massivement voté pour le oui en 95 et nous avons perdu. Et ce fut un désarroi terrible. On peut au fond dire que 95 a été pour nous ce que 80 a été pour les boomers évoqués par Ricard dans la génération lyrique. Un point à partir duquel on se dit, ben si c'est pour gérer une province, hein. Et double désenchantement, n'oubliez pas, nous avons vécu un événement immensément important qui fut la chute du mur de Berlin en 89, dont on pensait qu'elle ferait advenir le paradis sur Terre, qui en fait s'est transformé en une sorte de gigantesque vente de garage. Hein? Hein? Un peu comme le dit un des personnages de Gaspar Blues, ouais. Que cite Stéphane. Que cite Stéphane. Alors je me suis évidemment terriblement reconnu dans ce livre. Moi aussi, fils d'immigrant, né en 1961, j'ai eu 50 ans le mois dernier. Et pour vous dire, l'autre jour, non, il y a déjà 2-3 mois, je reçois un mystérieux courriel d'un collègue du secondaire qui se met en tête de faire les retrouvailles, figurez-vous donc, de la promotion 1979 du Collège Stanislas. Et donc, on s'est retrouvés mercredi dernier. On ne s'était pas vus depuis 32 ans. Depuis 32 ans, on ne s'était pas vus. Nous étions tous, donc, fin quarantaine, début cinquantaine, et j'ai retrouvé là, et c'était stupéfiant, les Frédéric Charles François X-Star installés, que sont ces portraits de que Stéphane fait dans son livre. J'ai cependant réalisé, parce que nous étions de la filière école privée, que la plupart de mes collègues du temps, pour X-Star installés qu'ils aient été, avaient tous cependant parfaitement compris l'utilisation stratégique qu'il fallait faire de ce que Stéphane appelle, et je m'étonne que tu ne l'aies pas évoqué, les filières payantes pour réussir en contexte d'incertitude. Effectivement, au plan professionnel, c'est vrai que nous avons eu beaucoup de faux départs, beaucoup de tâtonnements qui, au fond, hein, nous laissaient beaucoup de temps, hein, pour militer pour la souveraineté avec nos 3 charges de cours par année. Là, hein. Et c'est vrai qu'il y a eu des années dures. Oui, la parentalité tardive. Hein. Moi, j'ai eu mes enfants à 37 et 40 ans. Un divorce. Oui, aussi, ce refus. Non, pas ce refus, cette peur d'être... Cette peur de draguer parce que vous craignez d'être traité de maudit macho. Donc, cette idée... Ce sentiment, c'est pas une idée, c'est un sentiment d'avoir été complètement tétanisé, hein, à
à l'idée de dire à une femme que vous la trouvez parfaitement superbe parce qu'elle elle va me ramasser. Elle va me ramasser. Hein? D'où le fait que nous avons vécu dans un univers sentimental incertain, pastel, guimauve, gna-gna. En même temps, faux, parce qu'on faisait attention pour pas se faire ramasser par les filles émancipées. Mais tu sais, l'homme des cavernes n'était jamais loin chez nous, là, tu sais. Hein? On était insupportablement gentils et mièvres, comme dans les chansons de Daniel Bélanger, que Stéphane cite encore une fois avec une justesse mais diabolique. Hein? Alors, je reviens un moment aux filières payantes. Alors, donc, dans ce contexte de grande incertitude professionnelle, on a quand même compris qu'il y avait quatre filières pour s'en sortir. Ce que Stéphane appelle la filière thérapeutique. Tous les gens qui font carrière dans « je vais vous soigner, je vais vous dire ce qui est bon pour vous ». Normal, dans une société vieillissante, craintive et qui trippe sur l'épanouissement du « moi ». Hein? Regardez ici même le nombre de livres qui vendent des recettes de vie. Hein? Il y avait là un créneau payant. Le deuxième créneau que Stéphane identifie bien, c'était les juristes. Les juristes. C'est normal. Dans une société où il n'y a plus ou si peu de valeurs communes, ben, on demande forcément aux droits et aux chartes de réguler les rapports sociaux. Combien de ces gars de Stan 79 mardi dernier sont devenus avocats? Ils avaient trouvé là qu'il y avait un filon. Troisième filon, les communicateurs vedettes qui avons compris que de nos jours, si on ne vous voit pas, vous n'existez pas. Et donc, il faut entretenir sa visibilité. Et puis, quatrième filière payante, les gestionnaires, les MBA, que nous avons évidemment formés à l'appel. HEC, notamment. Oui, HEC, évidemment. Évidemment. Pour gérer, Éric, pour gérer ces systèmes sociaux monstrueux et orwelliens qu'on a construits. Mais c'est fascinant, parce que c'est une gang de monde qui tiennent le discours du développement économique, mais qui, en réalité, sont absolument pas des entrepreneurs et des preneurs de risques. Ils veulent être cadres. Mm-hmm. Ils veulent se caser. Tu vois? Alors oui, effectivement, Stéphane utilise la notion d'anomie qui remonte à Durkheim, la perte des points de repère qui fait que les institutions donnent le sentiment de fonctionner à vide. Et je la trouve ultra pertinente pour comprendre notre Québec d'aujourd'hui, déboussolé, déliquescent, qui ne veut pas connaître son passé parce qu'on lui a dit « wesh, ton passé », et qui donc, évidemment, fait dans la fuite en avant, pensant que si c'est nouveau, c'est bon, pensant que si c'est du changement, c'est forcément un progrès, qui passe de Logo à Layton en 3 semaines, et qui envoie au Parlement des gens qui sont à Vegas. Alors, effectivement, il y a un problème. Il y a un problème. Hein? L'image choisie par Stéphane est celle du mur. Là, j'introduirai une petite réserve. Avons-nous frappé le mur dressé par les boomers? Il y a toutes sortes de murs, vous savez. Dans certains des parcs modernes, il y a ce qu'on appelle des murs d'escalade, qui sont des murs, mais vous remarquez, avec des points d'appui stratégiquement disposés. Et si vous êtes capable de vous écartiller suffisamment, il y a moyen de grimper le mur. Tomber sur le dos. Avec un risque de retomber, mais on a des harnais. Hein? Et je trouve que cette idée du mur d'escalade est une image aussi du fait qu'on a finalement réussi à se débrouiller. Une autre image aussi qui m'est venue en tête en te lisant, c'est celle d'un jeu, d'un manège qu'on trouve dans beaucoup de parcs d'amusement, notamment à la Ronde, c'est le Palais des Glaces, ou si vous voulez, la Maison des Miroirs, c'est-à-dire ce labyrinthe où tout est en vitre et de temps en temps, vous vous cognez, pensant qu'il y a une porte, ou non, c'est un mur, boum! Mais finalement, on réussit hein, à se débrouiller, parce que, comme disait Pascal, on est peut-être plus tough, n'est-ce pas, que la moumoulerie de certaines de ces épouvantables chansons-là de l'époque. Là, hein? Alors, écoutez, au total, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Ben, merci beaucoup, Joseph. Alors, 3 points de vue, une présentation, 3 points de vue.
Alors maintenant, peut-être dans un premier temps, Stéphane, tu pourrais réagir. Qu'est-ce que t'inspirent ces commentaires dans plusieurs directions? Je vais faire seulement quelques commentaires brefs, parce que dans le fond, il n'y a pas beaucoup de questions qui m'ont été adressées, puis je suis assez d'accord avec beaucoup des choses que vous avez dites, à part les commentaires flatteurs qui sont pas à moi de juger, là. Par rapport à l'ouvrage sur la pornographie, je veux être bien compris. Dans le livre, je ne porte pas un jugement moral par rapport à la pornographie. Maintenant, ça fait partie du paysage. Puis, j'ai cherché à montrer l'influence que ça peut avoir, par exemple, sur les codes de séduction dans la société et amener quand même certains effets pervers sur le plan de l'espèce de pulsions qui mènent les gens à être de plus en plus chercher à être performants sur le plan amoureux ou sexuel. L'ouvrage a été publié en 2003, je pense, puis je pense... Lequel? 96. Alors, je pense ce livre-là, de toute façon, en 96, Je ne savais même pas qu'il était sorti. Non, je le savais. Quand le livre a été publié, je l'ai consulté. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'à l'époque, j'étais largement d'accord avec la thèse qui était soutenue. Puis le monde a changé depuis 15 ans. Oui. Alors, c'est. Mais c'est vrai qu'il y a une pression. Il y a une pression de la performance qui incombe à tous les domaines et qui nous incombe à tous. Et là-dedans aussi, il y en avait une. Et je pense que ton point, c'était ça, finalement. Oui. Effectivement. C'est un livre qui s'inspire de la démarche sociologique, mais j'ai cherché à faire un livre de sociologie comme on en faisait dans les années 40 et 50. Mm-hmm. C'est-à-dire que les grands livres de sociologie qui ont été faits dans les années 40, 50, cherchaient quand même à rejoindre un public assez large, assez vaste, s'adressaient à l'homme du commun, et la femme du commun, et... ça cherchait à raconter aux gens c'est quoi la société, puis comment les gens se comportent dans la société, comment les gens vivent. Alors, afin que les gens puissent lire le livre puis se reconnaître, comprendre des choses. La sociologie aujourd'hui a de la difficulté à faire ça. Alors, ça a été mon objectif, puis je me suis adressé d'abord au X. Pour leur dire, vous avez peut-être le sentiment d'être un perdant, d'être un déclassé, d'avoir emprunté la mauvaise voie, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes tout un groupe. On appartient à tout un groupe qui ont un destin de déclassé. Et finalement, si on prend conscience de ça, ben peut-être ça va nous aider comme génération à prendre une meilleure place au Québec dans la société et prendre la relève éventuellement des boomers. Et l'une des choses aussi que j'ai cherché à faire dans le livre, c'est de contrer l'idée que la société, c'est seulement une somme d'individus qui ont peu de choses en commun. Mm-hmm. Si on se refuse à faire des analyses de génération, même si ça peut parfois avoir des... ça peut mener à des généralisations fausses. Ben, si on refuse d'étudier les générations, ben on va arrêter de faire le portrait d'une classe sociale, le portrait d'une nation, on va arrêter de parler des femmes dans la société ou de la communauté homosexuelle. Les sciences sociales doivent s'intéresser aux groupes, puis les décrire et les comprendre. Finalement, il y a une autre remarque que je voudrais faire, c'est par rapport à la remarque par rapport au courage et au caractère. Ça, c'est vrai que c'est pas assez présent dans le livre. Dans les derniers chapitres du livre, j'ai cherché à faire ressortir des qualités qui sont propres à la génération X. Et j'ai cherché à montrer que cette génération, au terme de sa lutte pour la survie, a quand même réussi à développer un certain caractère, à découvrir un certain sens des limites,
que possédaient les générations nées dans les années 30, les années 20, les années 10, dans le fond, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Alors, les X, beaucoup de X se sont tournés vers le passé, ont réexaminé, en fait, l'œuvre des générations précédentes, puis il y en a beaucoup qui ont compris, dans le fond, que les générations qui nous ont précédées, celles qui étaient adultes avant la Révolution tranquille, avaient une certaine sagesse, avaient un certain caractère, puis ils l'ont pas eu facile nécessairement, puis on peut s'inspirer de ce qu'ils ont fait pour l'avenir. Alors, je préfère peut-être entendre les gens qui sont dans la salle. Oui.